Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici ça va, il fait soleil, donc tout va bien. Aujourd'hui, une petite vidéo, ça va être une vidéo très rapide pour vous présenter un petit appareil que j'ai découvert sur une chaîne que je suis. Donc ça m'a plu et je l'ai commandé. Parce que j'ai trouvé que ça pouvait être utile. Donc, ce petit appareil, c'est une agrafeuse aimantée. Voilà. Elle se présente comme ça. Je l'ai commandée chez Craftelier. Et voilà. Donc, elle se présente en trois parties. Et elle est livrée avec des agrafes de couleur. Et c'est des agrafes assez larges quand même. Voilà. Il y a le socle sur lequel on met les feuilles. Ensuite, on positionne la partie plastique et après la graffeuse. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Alors, je vais faire un mini. Enfin, je vais faire des mini pages. Donc là, c'est du papier que j'avais teinté au café. Donc on va les couper et faire un mini carnet. Voilà, hop. Parce qu'avec une agrafeuse normale, on va pas. Si on doit agrafer le milieu de carnet ou autre, on ne peut pas. Donc j'ai trouvé que cet appareil irait très bien. Donc là, je vais égaliser les. Ou alors je le fais après. Donc on va essayer de voir. Si vraiment là, suivant l'épaisseur qu'il y a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles, on va voir si ça agrafe les 8 feuilles. Donc je vais chercher le milieu. Après, on égalisera, mais ça va faire un tout petit carnet. Voilà. Donc là, alors, on prend le petit appareil, on tire tout ça. On va venir à... Alors il faut calculer. Bon, moi je vais mettre qu'une agrafe au milieu. Déjà, comment je vais faire? Alors là, hop. C'est vrai que c'est pas évident pour mettre à... On va essayer, on va bien voir hein. Si elle n'est pas au milieu, ben on la tirera. Ah, mais attends que je suis bête. Hein. Ah, ben, quand je vous dis que j'apprends à m'en servir, hein, en fait, il y a des petits triangles, des petites flèches hein, pour centrer, pour mettre bien au milieu. Donc, eh ben voilà. On va positionner en fonction de ça. Logiquement, ça devrait aller. On met la graffeuse. On appuie. Et j'ai glissé, chef. Donc, elle est mal mise. Hein. Évidemment, il fallait que ça arrive hein, pendant la vidéo. On refait. Je pense que ça va donner ce truc-là, mais bon. Alors, que je tire là. Au milieu, tant pis si ça tombe pas pile poil là où j'avais mis l'autre. Voilà, et voilà, on retire et la graffe est bien mise au milieu. Donc, quand on ferme, là c'est pas grave que les pointes soient de ce côté, étant donné qu'après on fait une petite couverture. Donc, voilà le petit carnet. Hop.
Là, je vais couper tant que j'y suis les bordures. Hop. Pour bien égaliser tout. Et le fond, hop, on y va aussi. Hop, je le remets parce qu'il n'a pas bien coupé. Il a trop d'épaisseur ou quoi? Enfin bref, voilà. Donc voilà ce que ça donne avec la graffeuse. Hein. Je suis pas contente de mon bord là. Que ça soit droit, voilà. C'est mon massicot qui va plus, et alors j'ai trop forcé dessus, il m'achouille. Hein. Ouais, ben on reverra ça. Tant pis, bon, on finira au ciseau. Hein. Donc voilà. Après, sur une, qu'est-ce que je pourrais prendre? C'est voilà, une grosse enveloppe hein, des élections. Si on veut agrafer carrément, voilà, donc on prend le petit appareil, hop, on le met là, donc là on va chercher les petites, moi je fais comme ça, sinon comment faire? Donc on tire jusqu'à ce que le milieu corresponde aux petites flèches. On met la graffeuse. On appuie dessus. Et voilà. C'est bien agrafé au milieu. Avec une agrafeuse normale, comme ça, il faut tourner le papier. Pfiouf, enfin bref. Donc j'ai trouvé ça astucieux et utile. Donc je m'en suis commandé une. Si je peux, j'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo, mais je sais pas si je vais y arriver. Donc sachez que c'est de Craftelier. Voilà l'emballage, celle qui veut le voir. Je sais pas si ça va bien ressortir. Donc elle est livrée avec des petites agrafes de couleurs. Donc il y a du bleu, du vert, du jaune, du rouge. Il y a à nouveau du bleu. Donc voilà. Et elle coûte aux alentours de 8 euros. Voilà, j'ai commandé sur Amazon et je l'ai commandé qu'à lundi. On m'a dit que je devais la recevoir vendredi et je l'ai eu aujourd'hui. Donc ça a été du rapide. Donc voilà, je suis contente. Hein. Je pourrais m'en servir pour justement faire des petits... Des petits carnets plutôt que de coudre. Bon, je peux coudre aussi, hein, mais voilà, ça change un peu. Voilà, voilà tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie de me suivre encore, hein, malgré que je poste pas trop de vidéos, mais bon, j'ai pas trop le temps non plus. Peut-être pas la vie ou je sais pas. Enfin bref, j'essaierai de faire un tuto un de ces jours sur une carte ou autre. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.